Départ dans une petite demi-heure. Pour le moment, il fait beau. Et puis, écoutez, on va voir comment ça va se passer. Pas trop chaud, une petite averse qui est passée. Je crois qu'ils annoncent un peu de petite averse pour demain matin, mais cette nuit, ça devrait être frais. Tout va bien. On va vous montrer un peu le temps. Ça, c'est la ligne de départ et d'arrivée. Et la ville de Vannes qui nous offre un petit tour supplémentaire de 800 mètres avant le départ, une sorte de tournée des gladiateurs. Bon, il est bagué, hein. Hop, voilà. Et donc il est prêt à partir, à plus. Allez Olivier, oui, c'est dit, on fait un début. Allez, 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 allez Roland, allez Olivier. On va franchir la ligne d'arrivée, le départ pardon. On n'est pas encore arrivé. Un petit sourire. Ouais. Et voilà, on est parti. Ça y est, on est parti. La ligne de départ qui est derrière. Allez, plus que 177. Et on est arrivé. Bon, ben voilà, ça fait une heure. On a fait quoi? 10 km? On a fait combien? 10 km, bon rythme. Bon, c'est sympa. Pas trop de soleil. Un petit peu de vent. La pluie, je pense pas. Là, on va refaire sa mèche là parce que. Voilà, c'est mieux quand même, c'est plus joli. Il y a une fille qui passe. Ah oui. Bon, ben on retourne dans les bois là. Donc, je vous dis à bientôt. Dans une heure quoi, hein. Tout à l'heure. De 13 km. Ah, c'est rigolo là. On court sur un petit mur. Au bord de l'eau. Ah. Voilà, on fait juste 500 mètres, mais en gros, je crois qu'on a fait 10 km comme ça sur des murs. Ah, c'est marée haute. Alors, c'est vrai que là, quand il doit y avoir un peu de vent, on doit être éclaboussé. C'est pas le cas aujourd'hui. Ben, ça se passe pas trop mal, on a fait 17 km, on vient de passer le premier ravitaillement. Il fait coucou. Coucou. Voilà, petit sourire. Bon, ben, ça se passe pas trop mal pour le moment, donc on continue. Surprise, la marée haute. C'est ce qui fait un peu sourire. Les pieds dans l'eau. Eh ben oui, c'est rigolo. On a de l'eau jusqu'aux genoux. On mange un peu là. On arrive à l'embarcadère de l'île aux moines. Là. Allez, on continue. 3 heures, 25 km.
bien là on est à Auray, 7h12. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Le pont. Auray de ce côté-là. 5 Goustan. Votre reporter préféré. Et voilà. Bon. Eh bien, là on en est à peu près à centaines de kilomètres fait. Hein, ravitaillement dans pas très longtemps, 3 km normalement. Et puis ben, on continue. Plus que 70 en fait. Ah voilà. Reprise des nouvelles. Il pleuvait là de 8h à 14h, donc pas de film pendant qu'il pleut. La fatigue commence à se faire sentir là, c'est clair. Donc je marche un peu là, encore au moins 4-5 km pour reprendre un peu et puis jusqu'au prochain ravitaillement pour bien se nourrir et voir ce que ça donne. Il restera à ce moment-là 22 km à faire. A plus. Allez, un dernier message. Vous voyez, fait de marcher quand même, c'est quand même pas si mal que ça. Tiens, on va remettre ça. Bon, voilà, hop. Voilà, c'est mieux. Donc le fait de marcher, ça va quand même mieux. Bon, j'ai les pieds. On regardera quand on notera les chaussettes. Et puis sinon, ça va à peu près. A plus, encore une bonne heure et demie peut-être.